Ils sont de plus en plus nombreux à manifester leur hostilité à l'élevage industriel, mais aussi aux conditions d'abattage des animaux. Des manifestants de tous âges, photochoc au poing et révolte au cœur, ont arpenté le centre de Toulouse ce matin. On ne respecte pas la vie, c'est ce qui me choque le plus. On n'a pas le droit de disposer de la vie de quelqu'un, que ce soit un être vivant, un animal, un homme, c'est pareil. Ils sont gazés, ils sont tués, ils sont des fois mal étourdis. Même le fait de les faire voyager des kilomètres et des kilomètres pour ensuite les tuer, c'est juste horrible. Comme c'est une action non violente, ça permet de se rassembler tous et de crier haut et fort qu'on en a marre de cette société injuste pour tous les êtres vivants. Parmi les manifestants, des lanceurs d'alerte grâce auxquels L214 a eu accès à des abattoirs, comme celui de Limoges. De dénoncer publiquement et à visage découvert l'abattage au quotidien d'entre une vingtaine et une trentaine de vaches gestantes, des vaches qui sont en voie à l'intérieur. On a sorti la mort des animaux de notre champ de vision pour pouvoir continuer à manger. Et c'est l'hypocrisie, je pense. Enfin, c'est ça, en tout, je trouve choquant. Cette semaine, l'association L214 a publié sur Internet des images de poulets collectés brutalement dans des élevages intensifs. Qui sont effectivement, comme on l'a montré, ramassés avec une moissonneuse à poulet et jetés comme si c'était des patates ou des tomates. Pour la 8e année, c'est la marche pour demander à ce que cessent enfin ces actes de cruauté inacceptables commis légalement et quotidiennement sur 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour dans les abattoirs français. Samedi prochain, la marche contre les abattoirs aura lieu à Paris.